Hello les BG, j'espère que ça sera bien et que sur pour vous, c'est Robin, comme chaque semaine, comme chaque week-end, j'ai envie de dire même d'ailleurs. On se retrouve, nouvelle vidéo, première écoute aujourd'hui. On se retrouve pour la suite de l'album de Maes, voilà, parce que cette semaine, je vous avoue, j'ai regardé un peu à droite à gauche, il n'y avait pas grand chose de sorti. Du coup, je me suis dit, bon, on va écouter le reste de l'album. Il y a un petit son qui s'est un peu démarqué, tu vois, genre, il y en a deux, trois qui se sont démarqués. Mais comme je vous ai dit, malheureusement, mon emploi étant fait que je ne peux pas... Je ne peux pas faire beaucoup de vidéos cette semaine. Mais voilà, c'est pas grave. Du coup, on est là pour le son Platine au Plomo. Le duo, voilà, Maes, Booba. La dernière fois, ils nous avaient déjà sorti une petite dinguerie au dernier album de Maes. Du coup, on va voir est-ce que c'est nouveau une dinguerie ou pas. Voilà, je n'en dis pas plus. Bien sûr, comme si on n'hésite pas. Voilà, petit abonnement. Merci à vous si vous le faites. Ça me fait très plaisir. Voilà, en plus, vous êtes 93% des viewers qui ne sont pas abonnés. Du coup, qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu viens, tu t'abonnes. Bouton rouge, ça fait plaisir. Tu peux aussi partager la chaîne à tes potes, leur dire de s'abonner et de repartager. Et sur ce, let's go. Et du coup, nous voici maintenant pour le son. C'est parti, let's go. Bon, là, on part. Faut être honnête sur un truc qui m'a pas l'air très joyeux. Hein, voilà. Je ne dis pas un truc où on s'ambiance pas dessus. Hein. Je dis juste un truc très joyeux. Voilà, tu dois pas être là. Ambiance détente. Là, c'est ambiance. Voilà, ambiance game. Tu vois, on est d'accord. On est d'accord. On va tous vous niquer vos mères. Il n'y aura pas de cas par cas. Doit ressentir dans les ovaires. Tout droit, pas de cas 4-3. J'ai pas fait longtemps sur le terrain, croyant. C'est Booba. Je pense que Booba il est vénère en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais absolument pas pourquoi. Mais là, genre. Petit démarrage. On va vous niquer vos mères. On fera pas de cas par cas. Merci. C'est très agréable de savoir ça. C'est très sympathique. Très cool. Vraiment, très bonne ambiance. Très bon mood. Vraiment, on est là. Wow. Enseignant, c'est pas pour sauver l'Amazonie. Rappelle dans ta mère, la mule, tout ça l'agonie. C'est quoi ce honi? Passe par fenêtre si ça t'amuse. Bonjour le petit pic à Weshden. Hey, bon, passe par fenêtre, on connaît, hein, vraiment, je pense vraiment, genre, c'est une phrase qui nous a matrixé pendant un bon moment, genre, passe par fenêtre, à un moment, donc, voilà, hein, je dis pas, c'est une phrase qui est mythique et qui reste à vie, tu vois, mais c'est vrai que, genre, c'était une phrase à un moment qui restait beaucoup, hein, dans la tête des gens, et là, c'est petit pic, hein, là, c'est tout, tire à balle réelle. La tête au pied, j'ai la méduse, jamais, je ne décore, t'as libéré moi, madame la juge. Si je suis plus là le rap français, c'est plus AMG, c'est plus Bravus. Ok, bon là... Booba, tu... Bon, Mollo, hein. Bon, alors, en clair, si vous avez pas compris, ça veut dire que genre, si maintenant Booba n'est plus dans le rap français, le rap français n'a plus de sens. Genre, en clair, c'est plus de la haute qualité, quoi. Parce que AMG, Brabus, tu vois, c'est genre des voitures qui valent, tu vois, qui sont propres, clean, quali et tout. Ça voudrait dire en clair que si maintenant le rap français n'a plus Booba avec lui, est-ce que le rap français est mort? Ouais, je sais pas, voilà. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, voilà. Bon, faut rester honnête, ça reste une personne très populaire et une personne qui a mis en avant, on va dire, un peu le rap français malgré les anciens IAM, tout ça, hein, tout ceux de l'époque. Mais voilà, est-ce que c'est une personne qui maintenant, si elle n'existe plus dans le rap français est mort? Personnellement, je ne dirais pas ça non plus, quoi. Le bras va sortir de la caisse, ça tire dans les cuisses, une bonne de coupe dans la veste, c'est me faire la vie. Là, l'arrivée de Maes, oh, avec les basses, elle est incroyable, incroyable. L'arrivée de... Attends, c'était genre la petite instru qu'on avait, là, le... Voilà, hein, on a capté, ok, bon, je peux pas faire, j'ai pas l'instrument, d'accord. Mais, l'arrivée de Maes, là, oh... Les basses, elles sont incroyables. Là, elles sont incroyables. 3h du mat sur le parquet, je commence parquet. 9h du mat dans la sécu, je commence parquet. Le chemin est long, c'est certain, entre la parole et... La dinguerie. Les gars, la dinguerie. Voilà. D'ailleurs, comme ce qui va arriver sur la chaîne dans les prochains temps, du coup, on n'hésite pas, petit abonnement les gars, je sais, j'insiste et tout, mais s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est tout simple, c'est gratuit, ça fait plaisir en plus, et vous serez là pour les choses qui vont arriver en début d'année, fin d'année, même encore, je n'en dis pas plus, abonnez-vous, ça fait plaisir, et partagez bien sûr, ça aussi ça fait plaisir, voilà, vous êtes les boss, let's go. J'ai pu faire la part des choses, quand je suis sous pilon, mais je se dilate, je bois la fraise en dilon, j'ai itinéraire et le filon. Demande d'amour pour ma fille en même temps. Ici? Oh les gars, je connais pas la vie de Maes, hein. Il a une fille? Là, je découvre, là.
Waouh, Mike Lenfi. Ouais, je veux savoir là. Là, ceux peut-être qui connaissent mieux sa vie que moi, parce que moi, je, François Maes, j'ai écouté ses anciens albums, mais sa vie, tu vois, je connais pas, tu vois. Mais elle a une fille, les gars. Je découvre là, je découvre. Oula. Usine, je peux parler ma fille. Je peux t'envoyer mes filles. On connaît la zone de Crayotiel. Bon, par contre, en soi, les sons ont l'air très courts. J'ai regardé plusieurs sons, lesquels pouvaient être intéressants pour faire une écoute, machin, tout dessus. Et en grande majorité, les sons durent dans les 2 minutes. Du coup, franchement, on dit, c'est plutôt propre. Après, par exemple, avec ce son-là, tu vois, je trouve l'instru est assez répétitif vu que c'est la même boucle depuis avant. Du coup, est-ce que c'est aussi pour éviter le côté trop que ça se répète, et que du coup les gens critiquent le fait de ouais, les sons ils sont trop longs, l'instru elle est tout le temps pareil. Dites-moi vous, voilà, je ne sais pas. Mais moi personnellement, je trouve ça bien, tu vois, des sons courts, j'aime bien. Parce qu'en soi, ça te permet de pas être trop, tu vois, genre maintenant des sons qui durent 4 minutes. En soi, quand t'as un changement de rythme ou alors beaucoup de feed dessus, voilà, là je vise un petit peu classique organisé ou bon organisé. Mais genre quand t'as en soi un seul artiste, si le son il dure 4 minutes, tu vois, je trouve ça fait long. Le Merco AMG, hey, j'attends mes finances AFG, pour été enneigé. T'es bien le petit, hey, hey. Le bar sort de la caisse, ça tire dans les cuisses, une bonne de coupe dans la veste. C'est vraiment voilà, c'est un son un petit peu comme je dis, hein, on peut se rendre compte que ce soit Booba ou Maes, ils sont pas là pour enfiler des perles, les gars. Là, non, là, ils sont pas là pour être en mode chill détente, hein. Petit café le long de la plage, y a pas. C'est pas changer de camp, platine pour moi, amigo, pas là pour chauffer le banc. T'as fait ci, t'as fait ça, t'es qui, déjà, je me rappelle pas. Putain, Booba, il est... Ouais, il est piquant, hein. Il a pas envie d'être dans la dentelle, hein. Oula, ouh. On s'en va, où c'est ça, on vous rappellera. Bon, en soi, le son, il est propre, les gars. Du coup, le son est terminé. Voilà, le son durait 2 minutes 37. Voilà, du coup, pour vous dire, hein, comme quoi le son n'est pas long du tout. Et c'est ça, à peu près en généralité, sur les sons de l'album de Maes. Voilà, du coup, Real Vie 3.0, si jamais, voilà. Petite promo, pas disponible partout. Voilà, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du son? Le son, il est très propre. Voilà, en soi, l'instru, comme je l'ai dit, elle est assez monotone. Hein, voilà, faut rester honnête, elle est assez monotone. Mais avec les petits changements de rythme de basse à certains moments, franchement, ça apporte du plus. Franchement dit, je vais pas dire le contraire, ça apporte du plus, c'est plutôt propre. Voilà, du coup la partie de Booba comme la partie de Maes, très énervé, voilà. On n'est pas là, comme je l'ai dit, pour enfiler des perles. Faut rester honnête, hein, voilà. Le son, il est pas là, comme par exemple le son avec Oh Boy, tu vois, qui est un peu plus en mode passer un bon mood, tu vois. Genre là, c'est un peu plus un mood un peu gangsta, tu vois. Genre un peu plus en mode... Voilà. Puis après, bon, les petits pics à la Booba, on connaît, hein, voilà. Comme par exemple, le passe parfumeux, c'est assez drôle. Ou alors le moment où il dit que s'il n'est plus dans le rap français est un petit peu mort. Bon, voilà, hein. Après, ça, c'est encore des phrases à la Booba. On connaît, on a l'habitude, les gars. Du coup, après, dites-moi vous ce que vous en pensez de l'album, du son en général, voilà. Sur ce, c'était Robin. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, on n'hésite pas bien sûr, s'abonner, partager, ça fait plaisir. Petit pouce bleu, voilà, puis qu'il n'y a plus les pouces rouges maintenant, on met des petits pouces bleus, voilà. Merci à vous si vous le faites, et ciao.